chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Après plusieurs années de la fin de son idylle avec Cheb Khaled, Fola Al-Jazeera est revenu sur sa séparation avec le roi d'Iraï. Jazeera Daily dévoile pour vous tous les détails, juste en bas dans l'article. Reste alors connecté. Ce n'est un secret pour personne, Cheb Khaled et Fola Al-Jazeera ont vécu une histoire d'amour passionnante, mais leurs chemins se sont ensuite séparés. Quelle est alors la raison de la rupture des artistes des Z? C'est une question qui taraude l'esprit de leurs fans et à laquelle a répondu, sans détour, la sœur de Naïma Abebsa. Pour les curieux, ne bougez pas, on expose pour vous ses propos dans le numéro. 23 mai 2022. Effectivement, la chanteuse de 61 ans a diffusé un live sur ses réseaux sociaux. Cela afin d'échanger avec sa communauté. Fola s'est montré loquace en livrant plusieurs détails croustillants sur sa vie privée, notamment son ancienne idylle avec l'interprète de C'est la vie. Sans gêne, elle s'est confiée sur les paramètres de leur séparation. Malheureusement, l'amour ne dit pas forcément toujours. Ce fut le cas également pour Cheb Khaled et son homologue Fola. S'exprimant sur le motif de leur rupture amoureuse, celle-ci a déclaré avoir été trompée par son ex-fiancé. Le papa de Daï aurait en effet entretenu une relation extra-conjugale avec une autre femme dans son dos. Fola Abebsa a mis les ses fiançailles avec Cheb Khaled. En outre, la fille du célèbre auteur, compositeur, interprète Abdelhamid Abebsa a indiqué que Cheb Khaled entretenait synchroniquement une relation amoureuse avec Samira, victime d'infidélité. La chanteuse n'a pas pensé à deux fois avant de mettre un terme à sa liaison avec l'artiste Orani. C'est toujours selon les déclarations de la même locutrice. Par ailleurs, l'artiste né à Paris a fait savoir qu'elle a par la suite célébré féeriquement son mariage avec un jeune homme turc, et ce au lendemain de mariage du Cheb Khaled avec sa femme actuelle Samira. Cela par pire coïncidence, affirme-t-elle, pour les intéressés. Retrouvez le passage de l'interprète de sport Ya Galbi juste ici.